Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le quatrième dimanche de Pâques de l'année B, dimanche du Bon Pasteur, et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, la parabole du bon pasteur que nous méditons dans l'évangile de ce dimanche a donné son nom au quatrième dimanche du temps de Pâques, qu'on appelle aussi dimanche du bon pasteur. Ce bon berger connaît chacune de ses brebis. Aucune ne se ressemble. Dans son cœur, elles ont toutes une place unique. Oui, frères et sœurs, la bonne nouvelle de ce dimanche est que, qui que nous soyons, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, le Christ nous dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est solidaire à la vie de ses brebis. Il ne les abandonne pas quand vient le loup, quand vient l'épreuve, quand arrivent les difficultés. Jésus expose volontiers sa vie pour protéger les brebis, pour protéger ses brebis. Il va jusqu'au bout en se donnant totalement à ceux qui viennent l'arrêter. Il dit, « C'est moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Il donne sa vie pour le salut du monde, pour le salut de chacun d'entre nous. Et lui-même le dit, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Chers frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous donne trois grandes caractéristiques du bon berger. Le bon berger protège son troupeau contre le loup, à la différence du berger mercenaire. Le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Le bon berger, frères et sœurs, défend ses brebis. Il est capable de se sacrifier pour elles. Et quand nous chantons « Jésus, berger de toute humanité », frères et sœurs, nous proclamons en réalité que nous voulons le suivre. Nous voulons lui donner la première place dans nos vies. Jésus, notre pasteur et notre berger, nous le savons, a d'autres bergers, a d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Celles-là aussi, il s'en préoccupe. Il veut les rassembler toutes en un seul troupeau et dans l'unité. Quand il dit cela, chers frères et sœurs, il ne pense pas seulement aux bons chrétiens. Il pense aussi à tous ceux et toutes celles qui ne le connaissent pas encore,
ceux et celles qui organisent leur petite vie loin de lui, en dehors de lui. Il voit aussi ceux et celles qui, à travers l'histoire, à travers le monde, combattent les chrétiens. Notre berger Jésus a le souci de toutes ces personnes, de toute notre pauvre humanité. Tous sont connus et aimés de Dieu. Et nous, chrétiens, frères et sœurs, nous sommes envoyés dans le monde tel qu'il est pour être les témoins et les messagers de cette bonne nouvelle. Dieu aime l'homme, Dieu aime notre humanité. Chers frères et sœurs, le dimanche du bon pasteur est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Oui, toute vie est vocation. Nous ne prions pas seulement aujourd'hui pour les prêtres et les religieux, mais aussi pour le mariage et la présence de tout homme dans notre monde. Nous sommes tous appelés, chers frères et sœurs, à une vocation particulière au service de tous, au service de notre communauté. Car c'est ensemble, en communion avec toute l'Église, que nous participons à la mission du Christ bon berger. Frères et sœurs, Jésus utilise l'image du berger pour nous parler de ceux à qui est confiée son Église. Nous pouvons donc aujourd'hui, de façon particulière, penser à notre pape, penser à notre évêque, à tous nos évêques, penser à nos prêtres, penser à nos diacres, et penser aussi, en priant pour eux, pour les jeunes qui cheminent vers le sacerdoce. Nous devons véritablement aujourd'hui interroger notre manière de vivre notre ministère à la suite du Christ et au service de nos frères. Un critère infaillible qui permet de distinguer le bon berger du mauvais. Le pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il les protège au péril de sa propre vie. À la différence du berger mercenaire qui s'enfuit dès qu'il voit arriver le loup. Quelle est la place que nous tenons dans nos communautés paroissiales? De quelle manière sommes-nous bergers? Notre Seigneur Jésus-Christ envisage le bon pasteur, le bon berger, non pas comme un manager un peu lointain qui dirige tout depuis son bureau ou son écran d'ordinateur. L'évêque, le prêtre, prend le temps d'échanger, le temps de visiter, le temps d'encourager. Il prend le temps d'être humain et de partager la vie de ses brebis. Oui, frères et sœurs, il annonce la parole sans se ménager. Il écoute et sait se faire écouter. Oui, les pasteurs que nous sommes donnent, pour les pasteurs que nous sommes, donner sa vie, c'est donner de son temps pour se mettre au service des autres, des plus petits, des plus démunis. En priant aujourd'hui pour les vocations, frères et sœurs, prions aussi de façon particulière pour nos pasteurs, pour nos bergers. Qu'ils aiment leur troupeau, qu'ils partagent leur vie, leur joie, leur peine, leurs rêves, et les conduisent ainsi à travers les événements de ce monde, de ce temps présent, vers le royaume des cieux qui est notre véritable destination. Loué soit Jésus-Christ à jamais.